Bonjour tout le monde, c'est Mohomer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et oui mes amis, j'ai décidé de faire mon retour sur le jeu Bienvenue chez JT sur DS. Alors pourquoi j'ai décidé de refaire une vidéo sur ce jeu? Parce que aujourd'hui, on va vous montrer pour la première fois sur YouTube les bonus du jeu. Donc voilà les bonus du jeu, bon on va passer ça parce que c'est trop long l'intro. Et on va commencer sans plus attendre cette vidéo spéciale consacrée à Bienvenue chez JT sur DS. Voilà les amis, en tout cas, bah voilà, donc dans ce jeu il y a des extras quand vous terminez le jeu, voilà. Vous avez les bonus mais malheureusement on peut pas y accéder. C'est marqué fini d'abord tous les mini-jeux. Donc là, même si tu cliques plusieurs fois, ça marchera pas. Parce que malheureusement les amis, il faut faire tous les mini-jeux. Voilà, donc dans cette vidéo, on va terminer rapidement tous les mini-jeux. Parce que voilà, vous voyez, il y a des croix rouges. Ça veut dire qu'il y a des mini-jeux qu'on n'a pas encore terminés. C'est pour ça qu'on ne sait pas accéder au bonus du jeu. En tout cas, voilà. En tout cas, bienvenue chez JT sur DS. C'est un jeu vraiment pourri. Mais surtout rageant. Parce que les mini-jeux sont très rageants. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, les amis, on va commencer par terminer tous les mini-jeux qu'on a fait, qu'on devait faire. Il y a des mini-jeux qu'on n'a pas fait malheureusement, puisque c'est trop difficile. Voilà, vous voyez, il y a des mini-jeux, il n'y a pas de trophée parce qu'on n'a pas fini les mini-jeux. Et du coup, les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage avec les derniers mini-jeux. On va commencer avec Canmerad. On vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors, dans ce mini-jeu, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, il fallait courir jusqu'à la baraque à frites. Malheureusement, ce mini-jeu est très compliqué à faire parce que malheureusement, c'est compliqué. Mais j'ai trouvé une solution, j'ai triché en réduisant la vitesse d'émulateur du jeu. Du coup, je vais vous montrer tous les mini-jeux jusqu'au complet. Je ferai des accélérations dans la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Voilà donc du coup les amis, on a terminé ce mini-jeu. Franchement je suis très surpris que ça a été plus facile en faisant comme ça qu'en jouant normalement. C'est vraiment très surprenant. Voilà donc du coup les amis, on va passer au prochain mini-jeu avec Canmerad. Et en tout cas on va vous montrer. Bon là j'avais malheureusement raté parce que c'est trop difficile. Alors on fait les mini-jeux en mode facile pour que ce soit plus facile. Et là dans ce mini-jeu, le but, ce qu'il fallait faire, ce que j'ai pas réussi quand j'ai fait la vidéo sur le jeu, c'est d'escalader jusqu'au sommet et j'ai vraiment eu du mal. Et là vous allez voir les fails, ce que vous allez voir les fails là maintenant, parce que j'arrivais pas, je savais pas pourquoi quand j'essaye de tourner avec le stylet sur la souris, ça voulait pas tourner. Je sais pas si c'est le fait que c'est à cause du ralentissement que j'ai fait sur émulateur. Alors je devais essayer d'alterner en accélérant, en réduisant l'émulateur pour essayer de bien jouer. Parce que là j'essaye, vous voyez, j'essaye de glisser le stylet pour passer mais ça fonctionnait pas. Après ce qui s'est passé, bah j'ai eu un game over et après j'ai essayé de faire de réessayer le mode facile. Et là ce que je devais faire, c'est que j'ai essayé de réduire. Et là même en accélérant des fois ça veut pas, faut vraiment être précis avec le stylet, mais c'est pas évident. Du coup les amis, je vous laisse avec le mini-jeu au complet. Parce que là, en réduisant la vitesse, ça permet d'avoir plus facile d'accélérer et de réduire. Et là vous voyez, de temps en temps je modifie la vitesse de l'émulateur pour que ce soit plus facile. Et en faisant comme ça, ça permet de cliquer de gauche à droite plus facilement avec le stylet, avec la souris, pour pouvoir faire plus facile. Je vous laisse avec le mini-jeu. Bon là malheureusement j'ai foiré quelques fois, mais je vais quand même vous laisser regarder la suite. Voilà, donc j'ai réussi le mini-jeu. Franchement, c'est plus facile quand ça va plus lent. Comme ça, on a plus de temps pour cliquer. Et donc, on se retrouve sur l'écran de la victoire. Alors, pour le prochain mini-jeu, on va faire avec Danny Boone. Et là, je vais vous montrer c'était quoi le mini-jeu. Voilà, en gros, dans ce mini-jeu, il fallait essayer de faire la même taille de Chicorée, je sais pas quoi. Après, j'essaie de faire, mais ça fonctionnait pas. Là, franchement, là, honnêtement, j'étais très chanceux au début. Voilà, après, il faut vraiment essayer dans ce mini-jeu de bien faire. Mais là, forcément, c'est très compliqué. On sait vraiment pas quoi faire, surtout pour la droite. Après, j'essaie de faire au hasard. Et là, et même si tu rates, même si tu rates que deux trucs et que tu réussis un, tu gagnes quand même le mini-jeu. C'est pas logique.
C'est pas bon, c'est ça? Si, si. Voilà, après, nous sommes dans l'écran, on a réussi le mini-jeu. Voilà, donc ça, c'est parfait. Ensuite, il y avait un autre mini-jeu, c'est le mini-jeu où, apparemment, dans ce mini-jeu, il faut essayer que la roulette s'arrête au bon moment sur la flèche. Bon, là, malheureusement, ce mini-jeu est très compliqué, même en mode facile. J'ai essayé, j'ai merdé à certains trucs. Je vais vous montrer et je vous expliquerai après. Voilà, donc vous voyez, j'ai raté ce mini-jeu, c'est très compliqué, donc j'ai essayé le mode facile, et là, ça va quand même être plus facile, et là, vous avez vu, j'ai triché en ralentissant l'émulateur. Du coup, les amis, je vous laisse avec le mini-jeu. Voilà, donc là, dans ce mini-jeu, vous avez vu, j'ai eu 3 parfaits, donc là, faut vraiment être précis, hein. Voilà, donc on a réussi le mini-jeu, on va pouvoir passer à un autre mini-jeu. Alors dans ce mini-jeu, ce qu'il faut faire, il faut essayer de sauter par les voitures, mais ce que j'ai fait à la place, c'est d'éviter toutes les voitures. Donc là, vous verrez que j'essaye d'éviter toutes les voitures. C'est plus facile pour moi d'éviter toutes les voitures, comme dirait Mr. Flash, c'est plus facile parce que c'est compliqué ce mini-jeu. Ce mini-jeu est vraiment difficile et malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai raté ce mini-jeu. Du coup, j'ai réessayé en faisant la technique du ralentissement, pas trop en tout cas. Pour faire le mini-jeu, en tout cas, bah, comme d'habitude, je vous laisse avec le mini-jeu. Et après, voilà, le mini-jeu est terminé. J'ai esquivé toutes les voitures, j'ai pas eu vraiment de score, à part à la fin. Mais en tout cas, voilà, on a réussi ce mini-jeu. Voilà, donc du coup, les amis, il reste encore des mini-jeux à faire. Donc on a... Voilà, donc du coup, on va faire celui-là avec Cadmeirad. Et là, ce mini-jeu était très compliqué. Je pense que c'est le dernier mini-jeu qu'on va faire. Là, ce qu'il fallait faire dans ce mini-jeu, c'est de pédaler et d'éviter la police. Malheureusement, j'ai fait une connerie. C'est que j'ai percuté le trottoir en essayant de bien faire ce mini-jeu. Du coup, j'ai perdu. Forcément, ce jeu est rageant. Et là, voilà, vous avez vu. Malheureusement, je me suis fait avoir. J'ai percuté le trottoir. Après, j'ai perdu. Et du coup, j'ai essayé de faire en mode facile le mini-jeu. Parce que forcément, c'est compliqué, hein, c'est rageant. Bon, enfin bref, je vous laisse avec le mini-jeu. Et ben voilà mes amis, c'était le tout dernier mini-jeu qu'on a terminé. Donc voilà, c'était le tout dernier mini-jeu, je crois que c'est bon, il n'y a plus de mini-jeu qu'on doit faire. Voilà, donc du coup les amis, ben, c'était le dernier mini-jeu. Et après, ce qui va se passer? Ah, des crédits! Ah d'accord, c'est des crédits. Mr. Flash et d'autres youtubeurs n'ont pas dit qu'il n'y avait pas de crédit ni de fin et tout ça. Après, on retourne sur l'écran titre. Normalement, si on va dans le mode histoire, est-ce qu'il n'y a pas un truc spécial? Ah ben non, en fait, il n'y a rien de spécial. C'est juste qu'on a fait tous les niveaux, tous les machins comme ça. Eh ben du coup les amis, c'est le moment de vérité, c'est le moment de vous découvrir c'est quoi les bonus. Eh ben du coup les amis, vous êtes prêts? On va faire le décompte. Est-ce que vous êtes prêts à voir les trucs bonus du jeu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ben c'est parti, let's go. Ah ben voilà, c'est juste ça les bonus. En gros, c'est un mini-jeu comme ça. En fait, c'est le mini-jeu du piano, mais là, apparemment, ouais, on peut jouer librement. Ah bah franchement, les amis, c'est une vraie déception. Je pensais que les bonus, ce serait plus intéressant, mais en fait, c'est ça. Voilà, en gros, dans ce mini-jeu, il faut juste jouer du carillon, comme dans le mini-jeu du piano qu'on avait fait. Voilà, c'est juste jouer librement, après, voilà, c'est à peu près comme ça, comme ça. Peut-être si on retourne sur les bonus, il y a peut-être autre chose, je sais pas, on va aller voir ça. Non, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment dommage, c'est juste le même mini-jeu avec le carillon, et après, même en cliquant pour spamon, c'est pas très bon. C'est pas comme le mini-jeu dans Rayman contre les lapins crétins sur DS.
Voilà, c'est vraiment une déception. Voilà, donc du coup, les amis, bah voilà, c'est tout ce que je vous ai à présenter dans cette vidéo. Et ben voilà, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo spéciale. Bienvenue chez JT sur DS. En tout cas, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Bienvenue chez JT sur DS, je mettrai le lien dans la description. En tout cas, voilà, c'était une vidéo pour vous présenter les bonus. Franchement, une vraie déception, c'est vraiment de l'arnaque. Je pensais que dans les bonus du jeu, il y aurait quelque chose d'intéressant. En tout cas, je pense que c'est la première fois que je vous ai présenté les bonus du jeu en vidéo sur YouTube. En tout cas, je sais pas si y a d'autres gens qui ont fait ça. Mais en tout cas, pour terminer sur une bonne note positive, bah, on souhaite un bon anniversaire à Bienvenue chez JT sur, voilà, le film qui fête ses 15 ans. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc du coup, les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo bonus sur Bienvenue chez JT sur DS. En tout cas, ce jeu est vraiment pourri, comme j'ai fait la vidéo sur le jeu. N'achetez pas ce jeu, c'est vraiment de la merde. Allez, bref, sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis. À bientôt. Ciao. Petit, c'est le Nord.